Bonjour. Tu t'appelles comment ? Bonjour, moi c'est Clément. Je m'appelle Célia Gravier. Je m'appelle Lénaïque Berthaud. Je m'appelle Samuel Jimmy. Moi je m'appelle Colin Vialet. Je m'appelle Élise. Depuis quand pratiques-tu le ski et qu'est-ce qui t'apporte ? J'ai tout de suite été mis sur des skis dès que j'ai su marcher. Ce qui me plaît, c'est la vitesse et puis la sensation qu'on a quand on skie. Le ski au quotidien, c'est s'épanouir, se vider la tête, respirer, se dépasser tout le temps. Et donc voilà, c'est pour un peu mieux se connaître aussi. Pourquoi t'as choisi un parcours biqualifiant ? Parce que je trouvais que le métier de moniteur de ski, c'était un beau métier. Et je me suis dit, pourquoi pas exercer, par exemple, l'hiver en étant monitrice de ski et le reste de l'année, avoir mon cabinet de consultation en ostéopathie. C'est l'opportunité un peu de faire sa passion et ses études en même temps. Ma passion, c'est l'agriculture. Alors, vu que je veux m'installer, ça ferait un bon complément en étant moniteur. J'aimerais me lancer dans le bûcheronnage et dans le débardage, qui est une activité qui peut être pratiquée que pendant le printemps, été et automne. Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir une double formation pour pouvoir être moniteur l'hiver. On propose la formation biqualifiante à deux filières, donc la filière technologique, bac STAV. Cette formation elle est organisée en 4 ans, donc le bac en 4 ans, avec donc un deuxième trimestre complètement consacré à l'entraînement du ski. Comment gères-tu ton temps entre les études et les entraînements ? Le premier trimestre, je suis à l'école. Le deuxième trimestre, on s'entraîne ici à la Toussuire. Pendant la soirée, je travaille une heure et demie pour ne pas oublier l'école. Et après, le troisième trimestre, on retourne à la motte. Nous, en bac pro, on a 4 semaines par an. Donc on est libéré, pendant que les autres, ils restent à l'école. Donc on doit rattraper les cours. C'est nos profs qui nous envoient les cours via Pronote et on les rattrape le week-end. C'est vraiment intéressant de proposer ce type de qualification dans un lycée agricole, puisqu'il y a un lien très étroit entre la formation, les contenus du bac et le contenu du diplôme de moniteur de ski, qui est à savoir toute la partie écologie, aménagement, environnement, économie, faune, flore par exemple. Combien de temps on obtient le diplôme d'État ? Ça varie suivant les élèves. Le minimum, on va compter 5 ans. Donc chacun évolue un peu à sa vitesse, selon là où on en est dans le parcours. Donc c'est vraiment assez individualisé, c'est vraiment cool. Quel conseil donnerais-tu pour y arriver ? Déjà, c'est beaucoup de motivation. Si on n'est pas motivé pour le faire, ça sert à rien d'essayer. Il faut être motivé à bloc. Et c'est du courage aussi, parce que c'est pas tous les jours facile. S'il pleut, tout ça, faut quand même aller au ski. S'il y a des devoirs à rendre, faut quand même les faire. Et il faut arriver à allier toutes ces choses-là. Dans ton lycée, c'est quoi qui te plaît ? L'ambiance, le fait qu'on soit 4 années tous ensemble, c'est sympa. Et puis on a quand même un super cadre. On est à côté de la ville, mais on n'a pas l'impression, vu qu'il y a des champs à côté, il y a la ferme, et puis on est un peu dans une forêt. Ce qui est super sympa, c'est qu'il y a plusieurs activités, donc il y a du ski de fond, du biathlon, ça permet d'échanger un peu sur notre passion, nos loisirs, et du coup ça fait des super rencontres.